Salut l'équipe, encore une fois on se retrouve sur New Agency. Sur cette partie j'étais un peu malade, j'étais pas très en forme mais t'inquiète ça m'a pas empêché de profiter à fond. En plus c'était super cool parce que presque toute la div était au complet. Parce que pour ceux qui nous connaissent pas on est super nombreux et du coup c'est assez dur de jouer avec tout le monde. Donc c'était vraiment une bonne journée. En plus j'ai testé un nouveau petit bijou. Léger, compact et maniable, que demander de mieux les gars. C'est une réplique avec des super finitions qui respirent vraiment la solidité et qui m'a été envoyée tout droit d'Italie. Pour ceux qui n'auraient pas deviné, c'est la Reaper XS de chez Evolution. Elle fait à peu près 2,2 kg sans équipement, elle est accompagnée d'un mid-cap de 110 coups, qui paraît moins solide que la réplique, mais bon, ça fait le taf, c'est des chargeurs. Hein. Tant que je t'amuse pas à les balancer partout, ça devrait bien se passer. La marque m'a aussi informé que les chargeurs GEG de PCC fonctionnent dans la réplique. J'ai voulu faire un test, j'ai demandé à mon pote Fisto de me prêter ses chargeurs d'ARP9, et ça fait à peu près le taf, parce qu'il y a quand même pas mal de jeux, les chargeurs descendent et finissent par ne plus feed. Donc au final, je te retrouve à devoir tenir le chargeur pour continuer à tirer, tu vas voir, il y a plusieurs reprises dans la vidéo où ça m'arrive. Du coup, je perdais grave en mobilité. Donc ça, c'est dommage parce que les chargeurs d'RP9, c'est quand même quelque chose d'assez courant, ce serait bien qu'ils soient compatibles. Parlons maintenant de la batterie. La marque recommande d'utiliser des 7.4, moi j'ai utilisé une LiPo 11.1, ça a très bien marché. J'en ai utilisé une de 1100 mAh, mais qui est d'ailleurs un petit peu trop grande pour entrer dans le tube de crosse de la réplique. Mais ça reste un choix volontaire de la marque qui veut garder cette réplique en XS. Si on tasse un peu, c'est possible de tout rentrer, mais j'évite pour pas abîmer la connectique. En plus de servir à loger la batterie, le tube de crosse permet aussi d'accéder au changement de ressort rapide. Tu vas voir, c'est super simple, il y a juste à le dévisser et ensuite à déboîter la base. Et puis tu accèdes au changement de ressort rapide derrière ce cache. Evolution m'a aussi envoyé un paquet de billes, mais j'ai pas pu les tester parce que c'est pas des billes traçantes en vidéo, c'est moins sympa à regarder. Mais ils mettent un grand point d'honneur sur la qualité de leurs produits. Enfin bref, pour environ 230 €, on peut avoir une bête pour le CQB qui est d'ailleurs équipée d'un ETS, c'est vrai que j'en ai pas parlé plus tôt. De toute façon, comme d'habitude, je vous laisse faire votre propre avis sur le gameplay. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez voir vraiment les performances de la réplique. Ça arrive. Ah non, il était pour moi lui. Grenade alors. Oh le salon va. Y'a rien là, y'a pas pété. T'as menteur, je crois pas. T'as pas pété. Jure-le. Oh, tu décales ou je te décale? Il y a du monde à droite, Fisto. Médicament! Dans ta tête. Retour! Ça passe au fond, ça passe. C'est passé sur côté gauche. Le côté gauche. C'est mousse, wesh. Aussi. Ouais. Et où, hein, lui? Il est en bas. On va débattre, toi. Ouais, mais haute.
thermos. En plus, moi je vous allume faire les camos. Vas-y, viens, on y va. Ok, assez vite. C'est vrai que. On arrive! On arrive! Tiens, passe par moi. Je passe devant le spawn. Dis-leur. Eh les gars, on passe. Les gars, on va passer. Merci. Vas-y, s'il te plaît. Après, mon retour. Ok, si tu veux. Aïe. Tu prends un TK de merde. C'est la vie. Merci. Retour. Stop. C'était un team kill. Hein. Ouais. Il y a des camos au fond. Porte ici, c'était pas camo, mais je me suis fait avoir par les camos au bout. Vas-y. C'est à nous devant là les camos. Mais il nous allume, fais gaffe. C'est un camo aussi. Camo. Ah, il tape des décales lui. Camo. Camo. Vas-y, on dégage ici. Attends, je suis pas prêt. Vas-y. Ça va venir dans la salle. Retour. Y'a un mec derrière la porte à droite là. Il est mort là mec. Quoi? Il est mort, il y a lui là. Tu sais quoi? Viens, on recule. Attends, quoi, tiens la porte, je recule, je tiens la ligne. C'est Ryan? C'est quoi? Ouais. Ça va? Viens, on descend. Oh, ouais.
Vas-y, on prend la cage d'escalier. Bien joué les gars. Magnifique. Je sais pas s'il fallait que je te tire dessus ou pas. Je sais pas, j'étais en train de bugger. T'as besoin de te relever? Hein? T'as besoin? Vas-y, attends. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que t'as kiffé, que t'as aussi kiffé la réplique. Moi, je vous le dis honnêtement, je pense que c'est une réplique que je vais garder dans mon loadout. Le seul truc que j'aime pas trop, mais après c'est un avis personnel, c'est les chargeurs de 9mm. Je préfère les chargeurs M4 par habitude. Enfin bref, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter, parce qu'il y a du très lourd qui arrive, un petit gameplay GBBR en préparation, et peut-être même du snipe. Mais je te spoil pas trop de toute façon, tu verras tout en temps voulu. Donc je te dis à la prochaine.